lentement, puis vraiment, il se débat pas quand c'est moi qui le fais. Je l'accompagne dans sa descente, puis là, je le calme, le lapin. Je le calme, je le flatte, je le remercie, puis tu laisses le sang descendre, puis effectivement, ça le rend amorphe un peu. Puis naturellement, il va se relever la tête, puis dans le fond, la technique pour tuer le lapin, c'est de casser les cervicales. Le coup du lapin. Ben oui, coup du lapin, nous, on utilise une bonne vieille barre de métal. Ça sectionne d'un coup, il est paralysé. Tu lui donnes un coup derrière la tête, clonc, ça casse la derrière la troisième vertèbre, et puis il meurt sans souffrance. Ouais. Et puis après, tu saignes. Ensuite, tu coupes moi, j'enlève la tête au complet d'un coup. Ah, okay. Et puis, tu le laisses se saigner. Puis après ça, tu commences à enlever la peau et tout. Puis moi, je récupère le sang. Je me prépare toujours une chaudière ou une boîte avec des feuilles mortes ou de la rip. Puis je récupère tout le sang que j'envoie au compost pour le garder. Puis les entrailles? Les entrailles, ça, je les envoie au bois. Je sais pas encore comment les composter. Je garde les abats. Moi, je garde le cœur, les oignons, le foie. Ah non, tu les gardes pour manger.